Salut à tous, c'est Macognard Minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur KOTOR. On vient de sauver le joli petit Wookie. On vient d'intégrer notre équipe. Ah voilà, l'arbalète laser de Zalbar. C'est cool, c'est ce que je voulais. On a aussi gagné des cartes de Pazak, donc enfin des moins, et ça c'est hyper pratique. Parce que j'ai plus besoin de moins finalement, vu de la façon dont je joue. Que de plus. On va récupérer Bidule, on va lui mettre son arbalète. Plaque. Elle prend les deux mains, ok. Et on est bon. Yeah. Toi, tu vas essayer avec tes compétences. Gotcha. Simple. Il faut que je trouve quand même un moyen de régler ce problème de... Ce problème de langue. Pourquoi il parle anglais? J'essaierai peut-être de réinstaller le jeu. Bon, après c'est pas gênant. Attention. Je l'ai récupéré ou je l'ai désamorcé? On n'a pas de journal. Là, on repasse juste à côté, au niveau du rancor. Je crois que c'est le rancor hein, qui bousille la porte. Ok, là, ça va fighter. Est-ce qu'il y en a dans tous les sens? Non. Est-ce que si je lui balance à lui une grenade? Bon, la meuf elle se fait H24 poisonner. Alors, on arrive au centre d'une petite cascade, ça doit être le centre des égouts, je pense. Allez, récupère là. Cool. Est-ce qu'on l'a dans les uns dans nos objets? Et voilà, les mines à gaz. Ça manque un peu juste de tri hein, dans cet inventaire, je trouve. Oh la vache. Allez, c'est bon maintenant. On avance tranquillou dans ces petits égouts. Il y a du gamoréen. Lui au moins il va pas le poison. Oh là là, il y a du peuple là. Alors, ça fait presque, ça commence à devenir un petit peu labyrinthesque, je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. En gros, ça commence à devenir chiant. Voilà, toujours la petite grenade qui sert à rien. Voilà, bien, je suis bien. Ah.
vu comment ils sont luisants, ils ont les rangs dégueulasses. Tout suit un temps. Ils sont marrants, c'est quand même rien. Allez, on continue, on prend du niveau, c'est cool. On a 2 points, on gagne 2 points. Et donc les 2 points, on va les mettre, j'avais dit, en informatique. Ou en persuasion. Allez, hop. On n'est pas encore trop dans le rouge, hein. Mais ça prend du temps, ces conneries. Je crois que c'est dès qu'on commence à maîtriser la force que ça devient vraiment important. Donc là, il y a une échelle, mais je pense qu'on va pas la prendre. On a encore des choses à voir. Oh, mais t'as plus de vie, toi. Arrête de tourner, qu'est-ce que tu me fais? Eh oh. Eh oh, voilà. Ouais. Des fois, ma souris, elle fait un peu ce qu'elle veut. Parce que je pense qu'une échelle va nous faire remonter. C'était où, ça? Cette échelle va nous faire remonter, donc je pense qu'on va récupérer... Là où il y a les clochards, là, l'espèce de plaine. De plaine désolée, là. J'ai pas envie. Ce qui se passe, nous, c'est dans les égouts. Donc je veux plus descendre que monter. D'accord. Je me suis fait avoir, là. Même avec cet ordinateur, vous n'arriverez pas à désactiver le bouclier si vous n'avez pas les bons codes. Et vous avez de la chance. Je les connais, moi. Je les ai subtilisés à Vulcar, qui avait un peu trop bu à la cantina un soir. Permettez-moi de neutraliser ce champ d'énergie pour vous. Allez, vas-y. On va quand même aller voir par là ce qui se passe. Et on récupère une zone qu'on a déjà vue. Ou peut-être pas tant vu que ça, en fait. Si, voilà. Donc je pense que c'est de là qu'on est arrivé. Je comprends juste pas pourquoi je n'ai pas ramassé le cadavre. Bon, c'est reparti. Je n'ai pas été dans la première porte, j'aime faire les choses dans l'ordre. J'aime les vibro-lames, la petite couleur que ça fait là, au poignet, c'est excellent. Ok, là on a un droïde. Je crois qu'on a des grenades à ion. Essayons. Pendant ce temps, moi je vais essayer de désarmer ça avant qu'il la fasse péter. Avant qu'il la fasse péter. Super. Merci Aminoutep, t'es un champion. Il y a des petits bugs quand même de placement, hein. C'est pas pratique. Oh.
Yes? Yeah? Bon, vous remarquerez que je soigne plus souvent que dans Pokémon. J'espère que vous comprendrez. Alors, le bloc de données, je crois que là, on arrive au rencor. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller vous montrer. C'est le gros bébé pas beau, là. Je me souviens, quand j'étais gosse, qu'est-ce que j'ai pu passer du temps. Combien de fois j'ai pu essayer, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais sauvegarder, ça fera pas de mal. Combien de fois j'ai pu essayer de passer ce rencor. J'ai tout essayé, les grenades, les mines, passer, je crois que j'avais même un truc pour passer en merde, comment on dit, en furtif, enfin bref, j'ai tout essayé. Au final, eh ben, la solution était assez simple, et je crois qu'en fait, elle était dans le bloc de données qu'on a ramassé. Ce bloc de données semble détailler les plans conçus par les becs afin de s'introduire dans la base des Vulcars. Nous avons réussi à synthétiser une substance dont l'odeur ressemble à celle de la proie favorite des rancors. En l'utilisant de manière intelligente, on pourrait peut-être inciter le rancor à avaler quelque chose de mortel pour lui. La solution, je vais vous donner ma petite astuce, elle est en fait d'aller dans ce tas de cadavres. On récupère des grenades. Et donc en fait, on peut y déposer une grenade. Et on peut y déposer une petite fiole. Je crois qu'on a reçu une odeur synthétisée. Et si je fais fermer, regardez-moi ce gros bébé, comment c'est classe. Voilà, il a mangé un cadavre. L'animation n'était pas géniale. Et du coup, il a explosé. Et voilà comment on gagne du temps. Mais des heures j'ai passé. Alors c'est con hein, parce que il suffisait de lire le bloc de données. Oui, je récupère comme c'est jamais. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut récupérer. Et en fait, eh ben, il suffisait de faire ça. Mais quand on est jeune, on a envie de jouer, on avance, on... Voilà, on spam en fait. On récupère tout ce qui traîne et en fait on... Voilà, on réfléchit pas. On réfléchit pas à ce qui se passe. Donc du coup, je crois qu'on va carrément rentrer là dans la base avec ça. Je crois que ce rencor gardait la base. Ah, voyez, ouais, des gardes Vulcar. Donc on approche. Non, pas Aion. Aion, ça n'affecte que les droïdes, tout ce qui est mécanique. Toi, tu peux mettre... Wow, on a perdu mission. Regardez comment elle est morte. La main comme ça sur la poitrine. Alors, réveille-toi, mission. On récupère des boucliers, c'est cool, donc je me demande s'ils sont pas à utilisation voilà, 4 sur 5. Donc ceux-là on peut les utiliser pas souvent, mais on peut en mettre plusieurs à chacun. Du coup c'est cool. Ok, est-ce qu'on a un petit truc sympa? Non, on récupère pas beaucoup d'items je trouve hein. Bon allez, on a battu le rencor, on est à la base des Vulcars, et donc la suite, ce sera dans un prochain épisode. A plus !